Les architectes et urbanistes espagnols ont créé une ville nouvelle d'une exceptionnelle beauté, qui s'est confirmée au fil du temps, créant ainsi une histoire culturelle et artistique commune entre l'Espagne et le Maroc, vécue par des générations tout au long du XXe siècle. Leur projet réalisé était libre, brillant et tellement séduisant qu'ils sont devenus aujourd'hui une partie fondamentale du patrimoine culturel marocain et mondial. Cette présence espagnole au Maroc a regroupé toutes les tendances architecturales en vogue à l'époque, comme l'art déco ou le rationalisme, qui parfois se fusionnent avec le régionalisme espagnol et l'architecture officielle. L'architecte José Miguel de la Cuadra Salcedo était l'un des meilleurs représentants locaux de l'architecture rationaliste d'avant-garde. Architecte municipal de Tétouan de 1934 à 1941, il a fait de nombreux projets dans la ville, tant pour les pouvoirs publics que pour les propriétaires privés, comme l'usine du tabac en 1938 ou le cinéma Victoria en 1941. Il a souligné sa collaboration avec l'architecte Castro Fernández Shaw dans les grands projets de la ville de 1940, à savoir le marché d'approvisionnement, la gare routière et l'édifice des assurances, la Equitativa. Quant au logement officiel, il est l'auteur du quartier España, du groupe San Antonio et du bloc de logement pour les fonctionnaires Casas Bloques. Le genre de style que nous allons voir dans cet épisode est ce qu'on appelle le rationalisme tardif. Parmi les architectes de ce style se distingue Carlos Fernández Shaw, que nous allons admirer son œuvre qui est le marché central de Tétouan, dont nous allons méditer son langage traditionnel arabe qui caractérise cet édifice singulier et typologiquement avancé. Il est situé entre la mairie et la caserne Gómez Jornada ou de Borbono au sud-est de l'Ensanche. Il répond à un schéma typologique typique de l'architecture moderne des années 30, où le plan de la basilique traditionnelle est remplacé par un plan central à deux niveaux, éclairant et se formant spatialement par un vide central au niveau supérieur. Nous constatons qu'il y a un plan hexagonal, l'hexagone de base ayant 28 mètres de côté sur la façade et des accès latéraux alternés. Cette géométrie rigide s'insère soigneusement au bord de la parcelle urbaine. La fusion de l'esprit rationaliste du projet avec les données de la tradition locale est vraiment remarquable. Les travaux de Fernández Shaw ont été approuvés par le conseil municipal de 1941, mais les constructions ne commençaient qu'en 1945. Trois ans plus tard, le plan original fut modifié par l'architecte municipal à l'époque, José María Bustamante Rodríguez, qui a pris la responsabilité
de la reprise des travaux de construction en éliminant tous les éléments caractéristiques de Fernando Shaw au profit d'un rationalisme moderne. Ainsi, il a ajouté des solutions plus audacieuses, telles que la tour prismatique complètement perforée avec des petites ouvertures ou fenêtres coulissantes des façades latérales, alternant chromatiquement le blanc avec des plaques de pierre apparentes. Les façades sans accès sont presque soigneusement résolues avec une grande austérité, reprenant le caractère des murs de bordure. En revanche, les façades d'accès sont résolues avec une grande animation des volumes et de la monumentalité, à la manière des grandes murailles de la Médina. C'est un bâtiment qui se distingue par son aspect visuel, reflétant une parfaite symbiose entre modernité rationaliste et traditionnalisme. Le rationalisme se conjugue dans le jeu géométrique structuré, dans la distribution d'escaliers, développant une surface hexagonale. La coupole est la plus jolie dans cette œuvre avant-gardiste et traditionnelle. Il y a encore deux autres coupoles dissimulant des réserves d'eau et signalant deux autres accès. De part et d'autre, deux tours marquent des entrées secondaires et servent des châteaux d'eau avec leur coupole dissymétrique. L'édifice est une pièce autonome avec un fort impact visuel du fait de sa volumétrie et de sa couleur blanche. Il génère des contrastes importants, de grands jeux d'ombre et de lumière. Le mélange est audacieux et avant-gardiste entre géométrie forte et façade arabisante. L'approche de ce professionnel Castos Fernandez Shaw dans l'environnement marocain tétouané nous a fait montrer comment il avait essayé de donner une cohésion aux principes de l'architecture moderne, néo-arabe et espagnole. Nous apprécions également ses divers apports pour certains travaux réalisés à Tétouan, comme le bâtiment des assurances La Equitativa. Enfin, l'image de tous les bâtiments de Tétouan réalisés par des architectes espagnols, comme le marché que nous venons de voir, non seulement fait partie inévitable de tout catalogue de l'architecture tétouanée, mais il est déjà temps de l'évaluer qualitativement dans un contexte culturel mondial.